une fois une maman qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce que cette maman-là, elle avait 73 petits. Je sais, c'est beaucoup, c'est énorme. D'autant plus que cette maman, elle se mettait une pression particulière parce qu'elle voulait chaque jour donner une leçon d'éducation à chacun de ses 73 petits. Voilà, c'était sa devise, c'était absolument ce qu'elle voulait faire. Ce jour-là, c'est un mercredi après-midi et maman sourit, puisqu'il s'agit d'une souris, est au logis avec ses petits, parce que c'est un mercredi et que le mercredi, maman souris ne travaille pas. Malheureusement, c'est un jour de pluie, alors voilà que maman souris est un peu coincée, bloquée au logis avec ses 73 petits. Imaginez, hein, 73 petits. Oh là 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 là. Maman, maman, qu'est-ce qu'on mange à 4 heures? Maman, maman, est-ce que moi, je pourrais jouer avec Romaric? Maman, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu peux me lire une histoire, s'il te plaît, s'il te plaît. Maman souris n'en peut absolument plus, elle est fatiguée, éreintée, vraiment, vraiment, elle voudrait que ça se calme. Et au lieu de se calmer, ça va de plus en plus fort dans sa tête, et ça criaille, et ça soupire, et ça crie, et ça se chamaille, et encore, et encore, et encore. Ah, stop! 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 Dit maman souris. Stop! Vous mettez vos caouets, vos bottes en caoutchouc, on va tous au parc. Les enfants n'avaient jamais vu leur maman aussi fâchée. Alors ils n'ont rien dit. Ils ont mis leurs caouets, leurs bottes en caoutchouc et ils l'ont suivie sur le chemin, sur la route qui mène au parc. Fallait les voir, ils étaient mignons. Avec leur petite queue de souriceau qui dodelinait de droite et de gauche, maman souris en tête. Maman souris arrive devant la grille du parc, elle se hisse sur ses petites pattes de souris, elle ouvre la grille du parc et les souriceaux entrent à sa suite et ils s'égayent tous comme une volée de moineaux. Ouh ! Maman souris, elle, s'assoit sur le premier banc venu. Prend son magazine. Et magazine. Parce que, sincèrement, ben, ça fait du bien. Ouais. Mais voilà. Quelques instants plus tard, la grille du parc. Padam padam. Miaou. Padam padam. Miaou. Vite, 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 maman souris se lève. Padam padam. Miaou. Vite, 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 maman souris fait le tour du parc pour rassembler ses 73 petits. Padam padam. Vite, 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 maman souris met ses 73 petits dans son dos comme pour les protéger. Elle écarte ses petits bras de souris et lorsqu'elle relève la tête, elle peut voir la moustache drue du chat. Elle peut sentir l'haleine fétide du chat. Elle ne sait pas quoi faire. Non, vraiment, elle est prise de court, maman souris. Quand subitement lui vient une inspiration. Maman souris regarde le chat droit dans les yeux. Le chat n'a rien compris. Son poil s'est hérissé, son dos s'est cabré. Il a tourné les talons, traversé le parc, sauté au-dessus de la grille, longé le trottoir, tourné à droite, à gauche, puis encore à droite. On ne l'a plus jamais revu. Maman souris n'est pas peu fière d'elle, puisqu'aujourd'hui encore, elle a une leçon à donner à chacun de ses 73 petits à qui elle dit « Leçon du jour ». Est-ce que vous avez vu comme il est important de connaître une langue étrangère ?